Erev Tov, ces paroles de Torah, soit les Lui Nishmat, Gisèle Aïcha Bat Esther, Bat Myriam, et les Lui Nishmat, Devora, Bat Pesi, Ruach Adonai Tenichena Began Eden. Nous avons parlé, nous avons ramené des paroles de nos sages dans le Midrash. Abba Kohen Bardella, Rabbi Yochanan, pleurait quand il lisait cette paracha de Yosef qui se dévoile à ses frères. Il y a un moment dans la vie où on découvre qu'on a vécu dans un mensonge, des fois même dans un grand mensonge. Les frères de Yosef ont fait la chose terrible de vendre leur frère, de le vendre à l'esclavage. Et ils ont essayé de se convaincre qu'ils ont bien fait. Qu'ils ont bien fait parce que Yosef était un grand ennemi. Ils voulaient les écarter de leur père. Ils voulaient être le seul successeur. Le moment où Yosef s'est dévoilé, il leur a dit « Ani Yosef, je suis Yosef ». Ça a cassé toute leur théorie. Un homme peut être jaloux de son proche, de son collègue, de son frère, de son voisin. Quand il le dépasse d'un peu, de 50%, 100%, mais quand il le dépasse 1000 fois, quand il va tellement loin, il ne peut pas être jaloux de lui. Quand il devient roi, il peut être jaloux, c'est tellement loin. C'est tellement loin qu'on ne peut pas être jaloux. Un homme ne peut pas être jaloux du roi d'Angleterre, ne peut pas être jaloux des hommes les plus riches du monde. De qui il est jaloux? De celui qui est à côté de lui, qui s'imagine que lui aurait pu faire la même carrière, et peut-être plus, qu'il est plus doué que l'autre. Et donc les frères, même dans leur imagination, vous ne pouvez pas s'imaginer que le rêve de Yosef dont il parle, le soleil, la lune, les étoiles, se prosternent à moi qui parlait de l'humanité entière. Pensez qu'il parlait uniquement d'eux. Ah, tu veux nous rabaisser, c'est-à-dire tu veux être le meilleur des frères. Alors ils ont tout fait pour essayer de l'empêcher. À un moment dans la vie, on comprend qu'on a vécu des années dans le mensonge. Les mauvaises midotes de l'homme, pendant des années, il agit avec ses midotes, son mauvais caractère, sur son entourage. La majorité des gens pensent que les mauvaises midotes d'un homme, le mauvais caractère de l'homme, ça amène une difficulté pour son environnement, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses collègues, pour ses voisins. C'est pas agréable d'être à côté de ce monsieur. Mais en réalité, l'homme qui souffre le plus de son mauvais caractère, c'est l'homme même. Pendant des années, il est sûr, oui, je suis pas trop agréable, mais c'est leur problème. Il pense, toute son idée dans la vie, c'est par rapport aux autres. Oui, je suis nerveux, mais ils m'ont énervé, ça, ils n'ont pas volé ce comportement que je leur ai fait. Ils étaient bien méritants, comme ça, l'homme, il s'imagine dans sa vie.
À un moment, il se retrouve dans son mal, dans son pur mal, dans son propre mal qu'il a fait. Et il ne sait plus comment avancer, comment s'en sortir de ce problème. Et ça, c'était la peur des frères quand Yosef s'est dévoilé. La Torah nous dit Velo yachelu echav la'anot oto ki nivhal u mipanav. Yosef n'a pas posé une question où il s'attend à une réponse. Il pleure et dit « Est-ce que mon père est vivant ? Vous m'avez pas aimé. » Oui, c'est vrai, vous m'avez pas aimé. J'en étais conscient. La Torah l'a dit. Parashat Vayeshev. Vayisne'u oto echav velo yachlu dabero le shalom. Rachel là-bas, il nous dit, Mitor genoutan, atalamed shivram. Ce que la Torah elle raconte, le mal qu'ils avaient, tu entends aussi des bonnes choses qu'ils avaient. C'est pas un dans la bouche, un dans le cœur. Ce qu'ils pensaient, ils le disaient. Ils ont dit à Yosef, on t'aime pas. On t'aime pas du tout. Mais Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous et moi, on est associés dans le grand amour qu'on aime notre Père. Pour nous, pour vous et pour moi, c'est très important, papa. Très important. Moi, par l'ordre de papa, rien que pour faire ce qu'il disait, même que je me mettais en danger, je suis parti pour lui donner un compte rendu. Comment vont ses enfants? Même que je savais que vous parliez pas avec moi. Et vous, je suppose que vous pensez que vous n'aimez pas moins que moi, papa. Autrement, pourquoi vous étiez jaloux? Vous étiez jaloux d'une proximité que j'avais avec papa. C'est-à-dire que vous aimez papa. Est-ce que vous n'avez pas pensé que papa pourrait mourir du manque de son fils, puisque vous avez dit maintenant que s'il arriverait quelque chose à Binyamin, le père ne pourra pas supporter cette douleur et il mourra. Et moi, je vous pose une question. 22 ans, vous n'avez pas eu peur que papa allait mourir de souffrance, de peine? Non, je vous parle pas de moi. C'est pas moi le sujet. Puisque votre sujet, là, maintenant, c'est votre père, qui est aussi mon père. À ce sujet, vous avez menti à 100%. Et ça même, ce fait que moi, j'étais prêt d'aller vous voir, de me mettre en danger parce que j'aimais papa. Et je voulais tout faire pour lui faire plaisir. Et vous, vous n'étiez pas là pour lui faire plaisir. Donc ça même, ça a justifié aussi le comportement de papa avec moi. Pourquoi papa m'a acheté une chemise à rayures? Eh ben parce que j'étais plus fidèle à lui que vous. Oui. Vous, par votre acte, vous avez prouvé que j'étais méritant d'être aimé par papa plus que vous. Parce que moi, je n'ai pas fait mon compte pour papa, mais vous, vous n'avez pas pris papa en compte. Et ça, ça déstabilise. Ces paroles de Emmet, cette réalité qu'à un moment, l'homme découvre qu'il est problématique. L'homme découvre qu'il est problématique. Une fois, il y a un homme qui est venu me voir au bureau et qui m'a dit qu'il était violent à la maison dans son couple. T'es violent.
Il a fait ce qu'il fallait pas faire. Il était terrorisé de ce qu'il a fait. Il m'a dit, ça ne me convient pas. J'ai grandi dans un bon milieu. Je suis un homme honorable. J'ai un fond qui est bon. Et j'ai vu qu'au moment de colère, au moment où j'ai perdu la raison, je me suis comporté comme un animal. J'ai peur de moi-même. J'ai peur de moi-même. Qu'est-ce que je fais pour sortir de ça? Bon, on a parlé. Il y a un moment, quand un homme il est Ish Emet, il affronte soi. Soi, qui je suis. J'ai l'air comment? Qu'est-ce que je fais pour ne pas retomber? Si je sais, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai vu qu'en état de panique, regarde où je suis arrivé. J'ai vu qu'en état où j'étais contrarié, regarde qu'est-ce que j'étais capable de faire. Qui peut m'assurer que je n'arriverai pas là encore une fois? Et ça, c'est Nival ou Mipanav. Ils ont eu une peur terrible, les frères de Yosef. Le Midrash nous dit une peur tellement terrible que cette panique-là était plus grande encore que la panique qu'ils ont eue quand ils l'ont vendue. Le Midrash dit que Yosef était fou, qu'il a décidé de se dévoiler à ses frères seul. Yosef s'est dévoilé seul pour ne pas les humilier, mais pas rien que pour ça. Il leur a dit, je suis votre frère Yosef, que vous m'avez vendu. Binyamin n'était pas avec eux quand il a dit ça. Binyamin était en prison puisqu'il était soupçonné de vol. Donc il y avait Yosef et les 9 frères. Yosef et les 9. Parce que eux, quand ils ont vendu Yosef, ils ont fait jurer tout le monde que personne ne raconte. Même Yosef ne pouvait pas raconter. S'il racontait, il rentrera en nidouille dans le ciel. Alors il leur dit à eux, face à face, je peux pas inventer. C'est moi le seul qui connaît avec vous. Vous m'avez vendu, donc je suis votre frère. Et ça, c'est la plus grosse des peurs que l'homme doit avoir en réalité. Les gens, souvent, ce qui leur travaille la tête, c'est qu'ils ne veulent pas que les autres sachent, que les autres connaissent les problèmes. Mais eux, ça ne les dérange pas de vivre avec des vrais problèmes toute leur vie. Et ça, c'est la pleure de Abba Cohen Bardella. Le jour du Emet, où l'homme arrive devant le trône céleste, c'est le jour où il voit son image qui lui ressort de partout. C'est le jour où les histoires se terminent, où tu peux plus te convaincre, où tu peux plus essayer de calmer ta conscience, parce que tes histoires, elles viennent parler. Et ça doit être pour nous, cette histoire de Yosef, quand on lit dans la Torah, de comprendre que nous aussi, si on ne travaille pas sur nous-mêmes, de savoir le émettre.
de faire un vrai travail. Et chaque homme connaît ses propres faiblesses. Si on se ment et on se laisse aller dans la vie, on peut aller jusqu'au dernier jour sans s'occuper de nos vrais problèmes. Rabbi Israël Salanter, il a dit qu'une des choses qui l'ont marqué le plus dans sa vie, et il a décidé d'accorder une belle partie de la journée chaque jour à réparer ses midot. C'était un jour, il était bénévole à la Chevra Kadisha et il a assisté dans un moment de la sortie d'une âme d'un homme. Cet homme était connu comme un homme coléreux. Coléreux. Et était très malade. À l'époque, il y avait la médecine n'était pas comme aujourd'hui. Les gens finissaient pas leur vie à l'hôpital. Ils finissaient leur vie à la maison. Et quand les médecins qui venaient consulter voyaient que ça n'allait pas bien, ben, ils annonçaient à la famille. Il n'y a rien à faire avec lui. Et la famille appelait les gens de la Chevra Kadisha pour venir voir. Et il mettait la main sur le... De fait, comment on dit, sur le pouls. Et il voyait quand ça devenait faible. À un moment, le chef de la Chevra Kadisha, il dit, en panique, ramenez vite tout le monde. Il faut lui faire vidouiller chez main, son âme, elle doit sortir. Il y a des enfants de la rue, quelques jeunes hommes, qui entendent le gars de la Chevra Kadisha qui crie, venez vite, on a besoin. Donc ils courent. Et il y a plus que 10 personnes qui se ramènent. Et ce monsieur ouvre ses yeux et il commence à crier et à engueuler. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes une bande de curieux! Et avec ça, ça déchama, il sort. Un homme, au dernier moment de sa vie, où doit quitter le monde. Ça y est, tu te sépares de 70, 80 ans. Tu n'as pas trouvé un meilleur passage pour terminer la vie d'une meilleure manière quand même. D'un schéma. De pardonner tout le monde. De partir serein. Il était conscient. Et Rabbi Israël Salanter, quand il a vu ça, il a été choqué. Il a été choqué qu'un homme, ses mauvaises midot, quand c'est pas soigné, ça reste à la dernière seconde. Et l'homme peut agir de mauvaise manière, même dans le moment où il quitte, où il s'en va, où toute sa vie deviendra un souvenir. Et il a dit, ça m'apprend plus que tout à quel point on doit travailler sur nous. Le Cheshbon HaNefesh, il est dur quand l'homme se rend compte que 22 ans il a vécu dans un mensonge. Mais quand l'homme étudie du moussard tous les jours, il diminue un peu le mal qu'il a en lui. Et ça doit nous forcer à s'occuper de nos néchamot, à s'occuper de nous-mêmes, de faire un travail quotidien de tous les jours. Parce que sans travail au quotidien, l'homme, il est détruit. Il arrive très loin dans les fausses idées. 22 ans même pour eux, pour les frères, de croire
qui se sont défendus de leurs petits frères que pour eux voulaient les excommunier du âme Israël. Et ce n'était pas vrai. Comment un homme sent quand il a parlé du mal de quelqu'un? Et ça n'a jamais été. Il se rend compte qu'il a inventé. Il n'est pas bien. Déjà, de vivre avec cette pensée, de faire autant du mal à quelqu'un qui a rien voulu me faire. Qui a rien voulu me faire. Pourquoi j'ai fait ça? Et ça c'est un travail de tous les jours. De tous les jours. Si l'homme ne fait pas ça, il tombe, chas v'shalom, dans les pires des choses. On a parlé d'un autre sujet très intéressant, de Yosef. Il voit ses frères peinés, bousculés, ne savent même pas comment agir. Il leur dit, Ve'ata, alteatzevu, ne vous attristez pas. Ve'al yichar be'enechem, ki mechartem oti. N'ayez pas trop mal que vous m'avez vendu. Il faut savoir que les gens ont l'habitude de dire que Yosef a pardonné ses frères sur ce qu'ils lui ont fait. Est-ce que Yosef a pardonné? Est-ce qu'il a pardonné? À votre avis, il a pardonné? C'est trop dur de pardonner, même sans demander. Est-ce que c'est possible de pardonner sur 12 ans de prison? C'est possible? 12 ans de souffrance terrible, de mise en esclavage. Dormir sur le sol tous les jours, c'est tuer de nouveau la personne. Il faut savoir que quand on demande Mechila, souvent on s'imagine même pas de la peine de l'autre. Et c'est pour ça que notre parole de Mechila, elle est légère. Tu demandes Mechila, pardon. Pardon, c'est un mot que tu lui ajoutes. Encore quelques petites introductions. Tu me pardonnes. Franchement, je regrette. Est-ce que tu es conscient de la souffrance que tu as fait à l'autre avant de demander pardon? Si tu n'es pas conscient de la souffrance, comment tu peux demander pardon? Les frères, ils n'ont pas connu encore le parcours de Yosef. Eux, depuis qu'ils l'ont vendu, ils savent pas ce qui s'est passé. Maintenant, ils se dévoilent. Mais Vadaï qui pardonne pas. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il leur dit, Ve'ata, il y a un passek dans les Ta'amim. Alteatzevu. C'est pas maintenant le moment d'être triste. Maintenant, c'est un moment où il faut faire du concret. Faut amener papa. Vous êtes en famine. Il y a vos enfants. Venez. Occupez-vous plus tard. Rabbeinu, il dit clair et net dans l'Ikoutei Moharan, que quand un homme ne peut pas affronter son passé, quand le passé est très lourd, alors il dit, ferme-le dans une caisse et continue à réparer d'autres choses pour ne pas que ce mal te détruit
et te rend paralysé, où tu peux plus rien faire. Mais de le mettre dans un tiroir ou dans une boîte, ça ne veut pas dire que jamais tu dois l'affronter. Tu dois l'affronter. Maintenant, t'es pas assez fort. T'es pas prêt encore. Yosef HaTzadik, il demande à ses frères, maintenant, non. Ses frères l'ont compris comme s'il leur pardonnait. Le rabbi de Tzanz disait que même s'il a pardonné, de là on apprend qu'un homme qui a pardonné sans qu'on lui a demandé d'accorder son pardon, ce n'est pas un pardon. Parce que le but de la teshuva, c'est que l'homme qui a fait le mal ne le refera plus. S'il n'y a pas eu un engagement. Ok, la dette, on ne te mettra pas en prison parce que tu as été pardonné. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un fauteur. Nous, dans le Bedin, ok, il n'y a pas de réclamation. Mais la faute de l'homme, elle est là. Il n'y a rien qui a été soigné. Il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a pas une avoda, il n'y a pas un travail. Hello, pardon. Mais Yosef HaTzadik, qui dit, de là on voit, il dit, vous êtes, je vois, j'ai vu que vous avez perdu le souffle. Donc je pense qu'il vous faudrait du temps pour comprendre ce que vous avez fait, la faute. Parce que des fois, peut-être vous n'êtes même pas conscient de la faute. Bon, maintenant, vous me voyez roi, peut-être vous dites vous-même, on l'a amené au royaume. On l'a amené au royaume. Vous savez, il y a une question dans la halakha. Il y a un collectionneur de timbres. Collectionneur de timbres, il y a des timbres qui valent une fortune. Il y a des timbres. Il y a deux, trois dans le monde. D'il y a 300 ans. Et il y a quelqu'un qui possédait deux timbres. Une question dans la halakha. Qui s'est passé en réalité. Posséder deux timbres où il n'y avait que quatre timbres comme ça dans le monde. Donc, puisqu'il y a quatre, la valeur de chaque timbre, elle faisait 1 million d'euros. Quatre seuls timbres qui existent dans le monde. Eh bien, il y a ce monsieur, le collectionneur, il avait deux timbres parce que la personne à l'époque qui avait envoyé la lettre, ben, il y avait du volume dans la lettre, il fallait mettre deux timbres. Et il y a quelqu'un qui vient, qui lui détruit un timbre. Mais quand il lui a détruit un timbre, la valeur des autres trois, ils sont devenus encore plus rares parce qu'il n'y en a que trois. Donc chaque timbre a augmenté, il fait maintenant 2 millions d'euros. Donc il lui a pas manqué d'argent quelque part. Est-ce qu'il doit payer? Ça, cette question, elle est abordé dans Chout Or Letzion de Rav Ben-Tzion Abba Shaoul, Zecher Tzadik Livracha, Chelek Aleph. Et Rav Ben-Tzion Abba Shaoul dit que dans un dégât, on ne regarde pas la poche de celui qui a été endommagé. On regarde l'action de celui qui a fait un dégât. Et il a fait un dégât. Donc, pour les frères de regarder, le succès de Yosef, il serait jamais arrivé où il est arrivé si on l'aurait pas vendu. C'est faux de penser comme ça. Yosef les rassure pour un certain moment, pour ne pas qu'ils tombent et que leur tristesse, d'ailleurs, il leur dit quand vous allez retourner en Eretz Israël, chez papa, ne vous disputez pas dans la route. Quand vous allez retourner chez papa, ne vous disputez pas. Il a appris Yosef HaTzadik une base.
Une teshuva, il faut savoir. Une teshuva d'un homme doit être pleine d'activité. Ça n'existe pas une teshuva passif. Vous savez, c'est quoi une teshuva passif? C'est quelqu'un qui pleure toute sa vie sur le mal qu'il a fait, mais qui ne fait pas de bien. Il est que angoissé en train de pleurer. Une vraie teshuva, c'est une belle action. C'est faire des choses, c'est être motivé à faire. Et avec la lumière que tu fais, tu compenses sur le mal que tu as fait. Qu'est-ce qui donne la force d'avancer dans le business, dans la vie? Il y a quelqu'un qui a investi là où il a acheté une marchandise et il a perdu complètement. Il devait vendre la marchandise à prix de perte. S'en débarrasser du dégât, ben, ça lui fait mal tant qu'il n'a pas encore gagné de l'argent. Mais quand il aura gagné beaucoup d'argent sur d'autres choses, il oubliera ce dégât. C'est pareil dans la teshuva. Dans la teshuva, que quand tu fais beaucoup d'autres mitzvot, beaucoup d'autres bonnes choses, tu guéris le mal que tu as en toi. David HaMelech, il explique, il dit, quand on lave le linge, on met un produit. On met un produit sur l'habit. Mais il y a une tache, un fond qui reste. Prenez un habit qui était vraiment sale. Vous le mettez dans la machine à laver. Et vous le lavez sans vrai traitement. Vous mettez de l'Ariel. L'habit, quand il sort, vous le prenez, vous le mettez sur la corde pour qu'il sèche. Vous voyez, vous secouez l'habit comme ça. Ah, il est là propre. Prenez l'habit, vous l'avez nettoyé, vous le remettez sur le cintre dans l'armoire. Un mois après, vous le prenez pour. Il est. Je l'ai pas mis depuis. Quand vous le faites sortir de l'armoire, vous voyez que dans les endroits des taches, elles sont ressorties. C'est parce qu'il n'y a pas eu un vrai traitement. Un vrai traitement, c'est de déraciner le mal. Comment on déracine le mal? On le déracine par le bien. Un homme qui est, sa seule préoccupation, c'est l'angoisse. Comment j'ai fait une chose pareille? Il ne peut pas réparer, il n'est pas dans un monde de tikkun. Le tikkun ne peut pas se faire uniquement en pleurant. Pour guérir du mal, de la même manière que le corps, pour se guérir du mal, il a besoin de vitamines pour se renforcer. Un homme qui fait de la chimio, on lui détruit tout, toutes les cellules dans le corps, les bonnes et les mauvaises. Dans ces moments-là, c'est très dangereux pour lui, parce que n'importe quoi peut le tuer. Une petite bronchite peut le casser en morceaux. Pourquoi? Son corps est faible. Son corps est très faible. Et comme son corps est très faible, il ne peut pas résister. Pareil dans la tchouva. Yosef HaTzadik dit, maintenant, Ve'ata! Et c'est pour ça que les tzadikim qui ont instauré les ta'amim des mikraot, ils ont fait Ve'ata! Un arrêt! Ve'ata! Arrêtez! Stop! Alteratsev. Maintenant, vous voulez me demander pardon, ça suffit pas. Vous connaissez toute mon histoire? Vous voulez que je vous raconte l'histoire avec la femme de Potiphar, les Ishmaélim qui m'ont vendu aux Midianim, les Midianim aux Socharim, les Socharim à Potiphar, les histoires en arrivant en Égypte, les histoires en prison. Vous ne pouvez pas demander pardon
quand vous êtes même pas en mesure, vous connaissez pas tout. Vatal teat, c'est vous. Le travail d'un homme, ne pas abandonner ce qu'il a fait, ne pas prendre à la légère, faire un vrai travail. Il dit en même temps Yosef, il parle d'un moussard extraordinaire. Yosef, il a une émouna incroyable en Hachem. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Hachem. Mais le fait que c'est Hachem, est-ce que ça vous rend quitte? Non. Tous les événements qui se passent dans la vie d'un homme sont envoyés par Hachem. Ça, c'est sûr. Mais c'est que par rapport, c'est dans sa foi à lui, par rapport à son créateur. Pas par rapport à celui qui lui a fait le mal. Lui, il peut pas dire, c'est Hachem qui a dit que je fais ça à mon ami. Lui devra payer. La vente de Yosef, elle a été payée. Un prix terrible du Ham Israël. La Asara ou Gemelucha. Asara ou Gemelucha. Je vais parler maintenant d'un autre point. Yosef HaTzadik dit à ses frères ainsi, dans le chapitre 45, verset 20. Il leur donne des carrosses, de la marchandise d'Égypte, etc. Il leur dit, préparez-vous pour revenir en Égypte. Il lui dit, « Ve'enechem al tachus al kelechem » Yosef HaTzadik connaissait l'âme de ses frères. Et je vais expliquer. Vous savez, vous allez prendre quelqu'un. Il faut savoir que 50% de l'humanité, ou même plus, je suis pas un si grand connaisseur dans la force de l'âme, pour dire, c'est pour ça que je dis 50%, c'est sûr, mais c'est bien plus. Des gens, ils ont un petit travail. Ils ont un travail, un salaire. Et tu viens chez eux, tu leur dis, tu sais, si tu fais des études maintenant, tous les soirs, 2 heures pendant 2 ans, tu obtiendras ton master. Ta paye, elle va augmenter de 30%. Ça te demande un investissement de... Combien de gens, à votre avis, seront capables de le faire? La réponse est, c'est que ceux-là que vous voyez qu'ils ont fait le master. C'est moins que 10%. Pourquoi? Parce que l'homme est attaché à son petit matériel qui lui empêche de voir grand. Yosef HaTzadik qui dit à ses frères, je sais, comme je vous connais, vous regardez le petit détail et vous serez capable de rester où vous êtes pour ne pas être gêné en venant en Égypte, ne pas avoir un certain confort que vous avez eu. Le Chazon Ish dit que c'est très fort dans l'âme. C'est-à-dire un homme, il est dans sa boîte où il est. Il gagne son petit salaire. C'est sympa, il a ses collègues. Il a l'habitude de prendre son café. Il s'en fume avec les copains. Et ça, ça l'empêcherait d'aller chercher du boulot qui est meilleur pour lui. Parce qu'il est bien. Il est dans sa zone de confort. Ça, c'est le plus grand problème humain
la base du problème, pourquoi on n'évolue pas. On ne veut pas sortir de la zone du confort. On n'est pas prêt. On te dit que ton fils n'étudie pas bien à l'école. Tu dis, ah, maintenant, je ne vais pas le déplacer. En plus, tu dis, l'école qu'on me propose, il faut que je le prends tous les jours là-bas. Tu ne le dis pas à voix haute, mais tu te dis dans la tête. Ah, tous les jours, je devrais voyager pour l'amener. Oh, ça me fatigue. Non, bon, ça va s'arranger. On répond les réponses de ça va s'arranger. Ça va être meilleur. Sachant que ça ne va pas s'arranger. On répond à nous-mêmes pour répondre aux besoins de la petite angoisse qui vient maintenant. Non, non. Ça, c'est le vrai problème. Ve'enechem al tarus al kelechem. Un homme a fait quelque chose dans sa vie. Il a obtenu un titre. Et là, il est en train de protéger ce qu'il a fait dans sa vie. Ça même, ça va l'empêcher de continuer, de vouloir évoluer. C'est terrible. L'homme est menotté par soi. Par soi. Rabbeinu, toute sa vie, il a lutté contre ça. Quand il disait un Dvar Torah, et il y a quelqu'un qui, de ses élèves qui disait, Rabbi, répète-moi le Dvar Torah. Il disait, je suis plus là-bas. Pour moi, ce que j'ai dit il y a 3 jours, c'est faux. Ça y est, je suis dans un autre niveau plus fort. Il sortait de sa zone de confort. Tout le temps. C'est ce qu'il a dit. Lol yod zaken. Ne pas rester dans l'endroit où tu es. Essaye d'évoluer. Mais va d'ailleurs en rochniout. Tu es content que tu fais ton daf ayomi. D'accord. Magnifique. À part le Dafayomi maintenant, il faut que tu évolues. Il y a une autre évolution. Et tu peux, c'est à portée de main. Pour des petits Kélim, ils ne vont pas venir en Égypte. Il le savait, Yosef. Le Chazon Ish disait que des fois tu vois des gens, ils ont un poste et ils gagnent très peu. Très peu. Et toi, tu te dis, c'est des gens qui ont quand même une grande émouna. Ils sont prêts à vivre avec un petit salaire. Simple, modeste. Il dit le Chazon Ish, non. C'est pas de la modestie. C'est de la paresse. Ils sont paresseux. Il y a un homme que son kiff, c'est de faire ça et ça. Il y a un homme, son kiff, c'est d'être paresseux. C'est de ne pas travailler la tête. Rien qui est là pour me bouger. Il se laisse aller. Il se laisse aller. Et il te raconte des histoires. Il se raconte à lui-même des histoires. Qu'il est croyant et qu'il a la émouna. C'est pas la peine de gagner de l'argent. Si Hachem veut, il me donnera lui. C'est faux, tu sais pourquoi? Parce que s'il aura de l'argent à côté de lui avec une petite occasion, il le fera. Mais il n'a pas envie de faire un plus grand effort. Ça, c'est la base du problème humain pour lequel les humains n'évoluent pas. On n'évolue pas parce que on veut pas sortir de la zone du confort. On n'est pas prêt à s'investir dans du nouveau. On n'est pas prêt à goûter quelque chose de neuf, qui sera beaucoup plus dur pour moi, qui va me demander un effort intellectuel, qui va me demander plus d'heures d'études, qui va me demander à donner à moi-même moins de temps. Ça, c'est la base du dégât que l'on peut avoir. Alors, quand on a des enfants comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
Youssef HaTzadik nous donne pas rien que le problème, il donne la clé pour sortir le problème. Qui touv kol eretz mitzraim lachemu. C'est de parler toujours avec soi-même de l'avantage que tu vas avoir quand tu auras ça. Et là, tu crées une envie de recevoir, et le moyen pour recevoir, c'est de s'investir. On a un manque de volonté de s'investir parce qu'on ne veut pas sortir de la zone de confort. Pour ça, on reste dans la même situation où on est, sans bouger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire avec soi des paroles et des motivations d'obtenir l'objet désiré. Et là, ça me réveille à vouloir acquérir, même si je sors de la zone du confort. C'est très important pour les enfants de les éduquer à la motivation. De les éduquer à la motivation. Aujourd'hui, il n'y a plus de motivation. On va à l'école, il n'y a aucune motivation. Dès que le prof lui donne un peu de devoir, il reçoit des lettres des parents. Qu'est-ce que vous faites? Vous torturez nos enfants. Résultat, aucune motivation. Mais on n'éduque même pas pour la motivation. La motivation de l'enfant d'aller étudier, c'est de voir l'importance que son papa accorde à tout ce qui est chokhma, à tout ce qui est dat. Si l'enfant n'entend pas dans la voix de ses parents le bonheur de ce qu'il va recevoir quand il va étudier, il ne sera jamais motivé. Donc on a besoin toujours d'expliquer à notre entourage, aux gens faibles autour de nous, à quel point ils peuvent évoluer. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas motivé, remplis-toi de motivation. Non. Tu ne peux pas. Il faut lui faire un beau dessin d'une autre réalité où il n'est pas. Il faut lui montrer une image, de lui dire « Tu vois cette image, tu seras là-bas toi. » Et de lui dire à quel point cette image que tu racontes, elle est magnifique. Et là, tu lui donnes la motivation d'arriver. Pourquoi un homme, il est intéressé d'arriver aux Maldives? D'où il connaît les Maldives? On lui a amené une belle photo. Il a vu une si belle plage qu'il est prêt de prendre l'avion quelques heures pour voyager, de payer le prix que ça coûte. Pourquoi? Parce que le dessin qu'on lui a fait, il est beau. Le sens de la découverte n'intéresse pas l'humanité. Combien de gens vous avez, de touristes, qui veulent aller en Afghanistan ou au Pakistan? C'est nul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un beau dessin. Il n'y a pas un point de motivation qui se réveille chez l'homme. Alors de lui dire, sois motivé pour aller là-bas, non, ça n'intéresse pas. Mais quand tu lui dessines un beau dessin, un monde magnifique où il peut arriver, il a envie d'arriver. Quand tu lui dis, tu vas t'acheter ça, tu vas recevoir ça, c'est la moitié du prix que tu obtiendras. Tu aimes ça, ben tu as Sacha Balan. Il y a beaucoup de ce que tu aimes, il y a beaucoup. Ah, ça réveille une motivation. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Leur créer une image. C'est ce qu'il a dit Youssef HaTzadik à ses frères. Sortez de la zone du confort, mais pas simplement sortez. Il leur a dit, vous allez obtenir beaucoup, beaucoup de choses. Encore un point, avec ça on va terminer. Youssef HaTzadik, pour
closer la rencontre des frères avant qu'ils partent en Israël, il offre à Benjamin 5 costumes. Et aux frères, à chacun, il a donné un costume. Et il a donné à Benjamin beaucoup d'argent. La Gemara, elle dit, Yosef a tzadik, dans ce qu'il a souffert, il met son Benjamin dans ce risque. Il a vu ce que la jalousie lui a fait. Alors il faut savoir déjà de ne pas avoir peur d'affronter. Le début du tikkun, Yosef, il dit à ses frères, vous voulez faire un vrai tikkun, ben, il faut affronter. Comment on enlève la jalousie? Comment? C'est que quoi? C'est qu'on ne crée pas de la différence pour ne pas qu'il y ait de la jalousie. Alors le jaloux, il n'a jamais affronté son problème. Un tikkun amidot, c'est pas d'étouffer le problème qui n'existe pas. Il y a des gens dans le couple qui connaissent les points faibles de leur conjoint. Ils évitent les histoires. Ils baissent la tête quand ça vient. C'est magnifique. J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Mais pour guérir, pour la neshama d'un homme, c'est d'avoir la réalité. De soigner le terrain malade. De voir est-ce que j'ai guéri. Comme il dit le Rambam, il dit, c'est quoi Teshuvah Gemura? Qu'il a eu toutes les conditions pour faire la Avera. Et il ne l'a pas faite. Ça, c'est un tikkun amidot. Yosef, il a donné à tout le monde. Pour montrer qu'il donne. Mais il a donné plus encore. Parce qu'il voulait faire un tikkun amidot. La Gemara, elle dit que pourquoi il a donné 5 habits à Binyamin? Parce que pour lui montrer qu'il allait avoir un de ses descendants qui s'appelle Mordechai à Yehudi, qui va sortir du roi avec 5 habits au Mordechai à Tamilifne à Melech. Bilevush malchut terelet vachor vargaman vateret zahav gedola. Levush malchut, après terelet, chor vargaman et ateret zahav gedola. Donc 5 sortes d'habits, alors il a donné pour célébrer, pour dire à Binyamin qu'il y aura un tzadik qui sortira de toi. Mais le Emet, c'est quoi le Emet? La Gemara, elle dit que Rabbi Meir disait que Esther était la femme ou était censée à se marier avec Mordechai. Esther est chez le roi. Mordechai entend qu'il y a 2 personnes qui veulent empoisonner le roi. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ben, qui tue le roi? Ma femme, elle reviendra chez moi. Non, il ne sépare entre des choses. Le roi a fait quelque chose de pas correct. Il est avec ma femme. Mais moi, je ne tiens pas qu'à ce qu'on a fait à moi. Moi, maintenant, je suis citoyen. Il va y avoir des problèmes, il va y avoir des émeutes, il va y avoir des problèmes avec ce putsch. Il oublie de lui-même. Il va et il les dénonce. Et il a sauvé le roi. Ça, ce manque de jalousie, ça a amené la Géoula. Ce manque de jalousie a amené la Géoula. Une Géoula, elle vient par un tikkun amidot. Que l'homme n'a pas agi de la manière où il était censé agir. Ça, c'est tikkun. Ça, c'est Géoula.
Imaginez-vous que Yosef n'aurait pas pardonné ses frères, et il aurait eu raison. Il ne serait pas comporté avec eux de cette manière que la Torah nous raconte. L'histoire de Yosef, elle aurait pu se finir complètement autrement. Que Yosef, il dit, oh, ben maintenant, je vais vous organiser à vous tous un accident. Et je vais rentrer seul chez papa et c'est moi le fils. Il aurait pu. De la même manière que vous avez raconté une histoire à papa, je vais raconter moi aussi une histoire à papa. Moi aussi je vais raconter. Je vais lui dire que ses enfants, ils étaient en route. Et il y a eu une troupe de lions qui les a attaqués. Mais ils avaient tous mangé. Et le fils qui a été mangé, il n'a pas été mangé en fin de compte. Il aurait pu. Midot tovot. Atahat Elohim, ani, je ne suis pas le juge, il dit. Yosef. Je ne suis pas le juge pour vous rendre du mal. C'est pas moi. C'est pas moi qui fais le règlement de compte. C'est pas moi. Ça amène une Géoula. Ça amène la Géoula. La Géoula, elle vient quand il y a un tikkun amidot. Alors, Hachem Yébezrenou, quand on s'occupe tous de ce union de tikkun amidot tous les jours, sans cesser, sans arrêter. Et là, on va réussir, et Bezrat Hachem, Nizke le Géoula, Shlema, Bimera, Beyamenu, Amen, Kedi Ratzon.